Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation dédiée au GSG STG 44 qui est la réplique à blanc du premier fusil d'assaut, le Sturmgewehr 44 qui a été réalisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Passons maintenant à la présentation. Il est chambré en 9 mètres PAK, la munition à blanc la plus répandue. Le chargeur est amovible en appuyant sur le bouton de déverrouillage. Il est fourni avec une chargette afin de le recharger plus facilement. Le levier de sécurité est proche de la détente. Afin de respecter la loi en vigueur, la réplique à blanc fonctionne uniquement en semi-automatique et bien sûr donc le sélecteur de tir est non fonctionnel. La sensation de poids est vraiment réaliste avec environ 4,5 kg sur la balance. Autant dire que le fabricant GSG n'est pas allé de main morte avec les lingots de Zamac qui constituent le STG 44 à blanc. Le garde-main est en aluminium. Les plaquettes de poignet sont en synthétique. La crosse est en bois teinté noir foncé. On retrouve le levier d'armement qui peut être bloqué en position arrière avec l'encoche et une trappe de protection anti-poussière. Passons maintenant à l'essai. Alimentation en munitions du chargeur. Donc, on appuie sur le bouton de déverrouillage. On utilise la chargette. Et voilà, la STG 44 est prête à faire feu. En conclusion, il est très rare de retrouver des armes longues à blanc, de plus historiques et en fusil d'assaut. À l'heure actuelle, c'est le seul modèle proposé par nos fournisseurs. Point de vue qualité de fabrication, il n'y a rien à reprocher. À part un petit défaut, les striures qui sont manquantes, différentes par rapport au chargeur original et la largeur de celui-ci. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de présentation et restez connectés sur notre site www.armureaucerf.com.